Le prochain défi va vous demander de révéler des joueurs en tirant des feux d'artifice avec le pistolet lance-fusée. Alors le pistolet lance-fusée, vous allez pouvoir le trouver soit dans des coffres normaux, soit dans des coffres rares, ou alors dans des cadeaux d'anniversaire. Donc les cadeaux que vous allez trouver aussi dans des coffres. Donc quand vous avez réussi à trouver ce pistolet à feu d'artifice, là ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires et de les signaler en tirant comme ça au-dessus. Donc là ça va faire un scan et normalement ça va scanner la zone. Et s'il y a des adversaires autour de vous, bien, ça va les scanner. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de scanner cet adversaire. Alors par contre, très important, ça ne fonctionne que contre des réels joueurs. Ça ne fonctionne pas contre des bots. Donc vous êtes obligé de trouver de réels joueurs. Alors, petite information supplémentaire, normalement, si vous voyez des adversaires comme ça se battre à côté de vous, vous les signalez en tirant en l'air. Là, vous avez vu, je l'ai signalé une fois, même deux, parce qu'il y en a deux. Donc logiquement, dès que le petit losange rouge est parti, je peux relancer une fusée en l'air pour les redétecter une nouvelle fois. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de chercher à chaque fois plusieurs joueurs. Vous pouvez réaliser votre défi avec un seul et même joueur si jamais vous ne le tuez pas tout de suite. Donc voilà, dès que vous aurez révélé 7 joueurs au total, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.